Jérémie, chapitre 30. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtirai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse, nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi, je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous, iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel, voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob, j'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli comme il l'était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois, son assemblée subsistera devant moi, et je châtirai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher, et il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps.